Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau concept, l'horoscope en Giro. Donc je vais avancer tranquille et je vais essayer de vous le faire en même temps, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est parti, jeudi 10 novembre 2016. Donc Scorpion, premier décan, né avant le 29 octobre, vous en voulez à quelqu'un et ça coince. En revanche, pour les autres, troisième décan, tout est nickel chrome. Sagittaire, vous aurez du mal à vous concentrer, un peu comme moi actuellement. Vous aurez du mal à vous concentrer, aujourd'hui c'est normal, c'est la lune est en poisson, troisième décan, né après le 18 décembre, est-ce l'amour qui vous trouble? Capricorne, les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui seront transparentes à vos yeux. Vous les comprendrez et même parfois les devinerez quasiment instantanément. Ça c'était Capricorne. Ah, attendez, faut que je dessine ici. Voilà, Capricorne. Verseau, si vous êtes de janvier, vous pourrez bien être sur des charbons ardents avec Mars dans votre décan. Quelque chose, un projet semble démarrer à toute vitesse. Poisson, ce n'est pas fréquent, mais vous ne manquerez pas une occasion de vous mettre en avant. Et vous avez raison, personne ne le fera à votre place. Bélier, trouvez un moment dans votre journée pour vous isoler. C'est dans le silence que vous trouverez les meilleures idées et la bonne solution à l'un de vos problèmes. Taureau, vous avez sûrement des projets pour votre week-end, mais il faudra compter avec un impondérable, mais seulement si vous êtes du premier décan. Gémeaux, vous serez tout excité, natif de mai, mais même si vous aurez du travail, vous ne râlerez pas, car cela semble cacher un véritable projet qui vous tiendrait à cœur. Cancer, la lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté, a dit François Mauriac. Alors, ce week-end, prenez un livre et laissez-vous emporter dans un autre monde, dans un tout autre univers. Lion, votre deuxième décan reçoit les meilleurs influx qui soient et vous promet un week-end de détente et d'évasion, et même de dépaysement pour certains. Vierge, pas de vrai congé pour beaucoup d'entre vous, mais le travail et surtout ce qui vous apporte sera au premier plan et de bonnes affaires sont à prévoir, surtout pour le deuxième décan. Balance, dopé par les influx de Mars, ceux du premier décan passeront un très bon week-end où ils pourront imposer leur volonté sans sentir la moindre culpabilité. Donc voilà les amis, j'essaie de faire de mon mieux pour que ce soit le plus clair possible. Je viens de m'apercevoir qu'il faut que je fasse attention, il faut que je démarre plus tard des endroits où c'est plus lisse, où il y a moins de monde. Donc voilà, donc j'essaye au fur et à mesure de tester de nouvelles choses. J'espère que ça vous a plu, j'essaierai de le faire de mieux en mieux. Et voilà, là c'est un peu les premiers essais, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et soyez prudents, surtout les amis. Allez, à la prochaine, salut, bye bye.